Bonsoir, il est un petit peu tard, mais je vais quand même faire ma vidéo du jour parce que je me suis lancé le défi de faire 30 jours, 30, ben, pendant 30 jours, 30 vidéos sur 4 thèmes, la cinquantaine, la ménopause, la réorientation professionnelle et le célibat. Alors, ce soir, on va faire une vidéo cinquantaine qui est destinée aux hommes et aux femmes et à toutes les personnes non binaires, voilà, quelle que soit la manière dont vous vous mettez sur ce spectre-là ou vous ne vous mettez pas d'ailleurs sur ce spectre-là. Bon, donc on va parler de yoga du visage et je vais vous proposer trois exercices de yoga du visage que je fais. Et que j'ai appris en fait avec la formation que j'ai achetée, une formation, alors je pense que je vous en ai parlé il y a longtemps, une formation américaine. Et c'est des exercices qu'on ne voit pas partout. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer ces exercices-là. Parce qu'autrement, bah, les autres, vous cherchez yoga du visage sur Internet ou sur YouTube ou n'importe, et vous allez en trouver plein. Mais ceux-ci, enfin, il me semble que je ne les ai pas vus beaucoup. Je me demande même si je les ai déjà vus. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-ci. Donc, quand on fait une séance de yoga du visage, d'abord, on va commencer par s'échauffer. Et s'échauffer, ça veut dire ben, détendre les muscles en fait de ses épaules. Donc, on les fait tourner, voilà, dans un sens, dans l'autre. Donc, ça, c'est l'échauffement. Et c'est vachement important, en fait. Voilà, on va faire tourner sa tête, donc dans un sens et dans l'autre. Alors, il faut le faire plus que ce que je fais là, hein, mais voilà, je vous montre. Alors, à droite, à gauche, devant, derrière, et à gauche, à droite, comme ça. Vous voyez? Donc, le à droite, à gauche, c'est comme ça, et puis, comme ça. Okay. Puis on fait rouler, on fait rouler. Voilà, ça, c'est la première chose. Il faut s'échauffer les épaules, le haut de, voilà, le haut du corps. Histoire d'être bien détendu. Voilà. Et une fois qu'on est bien détendu, normalement, là je vais pas le faire, on prend de l'huile et voilà, on se frotte d'huile le cou, le visage, un petit peu partout. Voilà, moi je vais pas le faire parce que bah, c'est pas le moment où je mets de l'huile. Enfin bon, voilà. Puis je vais être toute huilée devant la caméra. Ça va peut-être pas être du plus bel effet. Mais en même temps, avec ce qui vient après, ça va peut-être pas être non plus du plus bel effet, mais c'est pas très grave. Alors le premier exercice que je vous propose, il est destiné à faire travailler cette zone-là que j'ai appelée, vous savez, dans cette vidéo-là, la peau de dindon du cou. Donc, ça va peut-être pas travailler la peau, mais en tout cas, ça va travailler le côté relâchement de la peau. Et donc, c'est un exercice qui lutte aussi contre le double menton. Donc, qui peut être un double menton de police ou un double menton de peau de dindon. Alors, comment il faut faire? Donc déjà, vous allez donc monter les yeux vers le haut, en fait, basculer votre tête, et là, il va falloir tirer la langue et la placer à gauche pendant 5 secondes, à droite pendant 5 secondes, très fort, et après au milieu, et on revient normal. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ok, et ça on le fait deux ou trois fois voilà, en faisant une petite pause entre chaque séance. Donc vous voyez, il faut vraiment bien étirer. Et en fait, le menton, on peut le relâcher, vous voyez, mais on peut aussi le mettre en avant, le faire avancer un petit peu. Donc c'est pas mal. Voilà. Je vous avais dit, ça va être du plus bel effet, hein, cette vidéo. J'ai pas peur du ridicule, mais vous savez quoi? Si j'avais peur du ridicule, ça ferait longtemps que je serais morte, hein, puisqu'on dit le ridicule ne tue pas. Et oui, autrement, effectivement, je serais morte depuis longtemps. Le deuxième exercice, il va en fait essayer de corriger des fois, on a comment dire, un sourcil qui est plus haut que l'autre, etc. Donc, mettons que moi ce soit ce sourcil-là, et puis je crois que c'est un petit peu le cas.
En fait, elle explique dans la formation que c'est une question de muscles. En fait, les muscles qui sont sous la peau, qui sont pas toujours, comment dire, aussi musclés l'un que l'autre. En tout cas, ils ne soutiennent pas la peau de la même manière. Et l'exercice, il consiste à faire un C comme ça avec sa main. Donc on peut faire un C avec ça ou c'est juste comme ça. En tout cas, à maintenir sans oppresser, sans verser, vous voyez, à maintenir en fait l'autre côté, celui qu'on ne veut pas travailler, et celui-là, en fait, à faire oh que je suis drôlement étonné. Et hop, vous relâchez. Oh, je suis drôlement étonné. Et vous relâchez. Oh, je suis drôlement étonné. Voilà, vous faites ça. Ben, 5-6 fois en tenant quelques secondes à chaque fois. Et après, vous fermez les yeux. Voilà. Oh, je suis vachement étonnée. Et je redescends. Oh. Et je redescends. Oh. Parce que je vérifie, en fait, à la caméra. C'est pour ça que je regarde pas toujours. Voilà. Et je me calme. Voilà, ça c'était le deuxième exercice. Donc, qui, voilà, pour corriger un petit peu l'alignement. Finalement, des sourcils, si vous avez un truc qui est plus haut que l'autre. Mais des fois, on ne se voit pas bien. Mais les gens, ils peuvent vous dire « Ah, tiens, c'est plus haut. » Enfin, bon, bref, peu importe. Et le troisième exercice, il est en fait destiné à, on va dire, à ces petites espèces de choses, là, ces petites belles joues-là. Voilà. Et puis les joues, en fait, à tonifier un peu toute cette partie-là. Donc, ça va être très très drôle. Donc, on tire un petit peu ça. Oh là, mon Dieu, ça y est. Donc là, je suis rajeunie. Donc, on tire un petit peu la peau. Et après, on va faire un O avec sa bouche, mais un O ouvert. Pas un O comme ça. On va faire O. Bon, alors là, je vous le fais avec le O, avec le son. Hein, mais ne le faites pas avec le son, ça ne sert à rien. Ça ne rajoute rien, en fait. Hein, donc, on y va. Et surtout, vous n'oubliez pas de respirer. Hein. C'est quand vous faites les pauses, hein. C'est important de respirer. Donc, on y va. Je suis en train de me voir. C'est terrible. Est-ce que je ne ferai pas pour vous? C'est incroyable. Donc, voilà. Je vais pouvoir recommencer à celle-ci. Bon, faites ça tranquille chez vous. Vous pouvez le faire le matin si vous voulez. Ça vous fait une petite mise en visage, voilà, en plus vous aurez de l'huile, vous aurez la peau bien, bien lisse, etc. Et puis après vous pourrez aller au boulot tranquillement. Donc surtout, vous n'oubliez pas l'échauffement, hein, les épaules, voilà, etc. Ça c'est très important. Donc trois exercices, je vous les rappelle, les exercices, on avait hop, langue, machin, etc. On avait correction de 1. Voilà, avec « Oh, je suis étonnée, oh, je suis étonnée », voilà. Et puis le grand « O », the big « O », en fait, the big « O », mais c'est parce qu'en fait, elles disent « big « O », mais le grand « O », voilà, où on tire un petit peu le visage, genre, on s'entend plus, hein, parce qu'on met voilà, on tire un petit peu vers le haut, hein, on ne tire pas vers le bas, parce que vers le bas, c'est horrible, donc vers le haut, comme ça, et « Oh », je me regarde, c'est affreux. Bon, bref, j'allais dire un truc, mais je ne le dis pas parce que ça, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Eh ben, voilà, c'est la fin de la journée. Hein. Faut m'excuser un petit peu. Et ben, on se revoit demain pour encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos, je vous le rappelle, sur la ménopause, sur la réorientation professionnelle, la cinquantaine et le célibat. Et moi, je vous dis bonne soirée. Salut !